Honey, pack your bags, grab your old blue jeans. We're gonna go fishing in a mountain stream. Find a little shack way up in the hills, 25 miles from Harrisville, in the high country. Honey, you should see all the stars up there. They shine so bright through the cold night air. I'm gonna build you a fire that'll burn real hot, and I'll stay with you at the old camp hut. Qui est débarqué, voilà. In the high country. Ça, c'est un beau service, le Royal Ça, c'est un beau service. From Mountain Creek to the staircase spur, we'll follow the tracks where they push the herd up to the high country. Well, I've got my four-wheel drive and I'm ready to roam. I wanna go flying up in old dirt roads, up in the hills where the snow guns stand. You can see forever across this land in the high country. That's where I wanna be, walking with you by a mountain stream. High country, that's where I wanna go. Got my bags packed, I'm ready to roll. Un petit peu moins de 2000 habitants à Copperpiddy, et c'est tous des grands travailleurs, ils veulent devenir riches. Ils sont dans les opales. C'est le plus grand gisement d'opale du monde, hein, quand même. C'est la capitale mondiale de la production d'opale. Bon, je vous ai un petit peu expliqué l'opale, mais à la visite de la mine, évidemment, on en saura plus. Il fait très très chaud ici. Donc l'été, hein, quand là on n'est que au printemps, je vous rappelle, hein, au début du printemps. Hein, mais ici l'été, il fait super très très chaud, et donc on est aussi bien sous terre. Hein. Alors, comme je discutais avec Michel hier, et ben, en fait, c'est les après la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Australiens qui sont partis en Europe pour la guerre mondiale, qui ont vécu les tranchées. Et ils ont vu que ben, il faisait bon dans les tranchées, pas l'hiver évidemment, mais l'été. Hein. Alors, quand ils sont venus ici, puis il y en a qui sont venus chercher fortune dans les champs d'opale, puisqu'on en a trouvé. Là, la ville, elle est toute creusée de galeries, parce qu'il y a des gens, il y a des maisons. Hein. Regardez là-haut, c'est joli la colline, là, marquée Copperpiddy. John's Restaurant, là aussi, c'est bien. Là, il y a un petit supermarché, Ajiye, vous voyez, Iga. En fait, non, on ne dit pas IGA, on dit IGA. Et là, il y a un petit supermarché avec plein de petits trucs si vous voulez vous acheter des petits bricoles là-dedans. Et l'un des seuls arbres au début de Copperpiddy, c'est l'arbre en fer. Vous voyez là-haut sur la colline, là, il y a un arbre, on dirait qu'il est... Mais en fait, il est en fer parce que celui-là, il va toujours rester là. Les autres arbres ont été plantés par les gens hein, pour oublier qu'ils sont un peu dans le désert. Voilà. Ah, Oumouna, c'est là l'entrée. Oumouna, ici là. Oumouna, l'entrée. Il se trouve un endroit central pour se garer. Soit on se retrouve. Qu'est-ce que vous préférez? L'hôtel, c'est celui-là, mais on n'y va pas encore. On n'a pas les clés encore. Oui, non, mais on va. Ben voilà. Thank you.
And turn your cameras and phones off. Tous les téléphones éteints. Comme ça, vous allez voir l'effet que ça fait quand il n'y a pas de lumière. I'm going to show you how dark it is. Can you sleep under it? Ready? What's saying? Go. Ooh. That's why I said. De carottes là, si je peux dire, vous voyez, une comme pour, voilà, et si ils trouvent quelque chose, après ils font le puits. Voilà, ils sont tous semblables hein, ces camions là hein. Quelque part, ils font un carré à gauche hein, toutes les dégâts, regardez tout ça là, c'est des montagnes, les gens qui sont descendus, et puis comme les, je sais pas, les marmottes ou les voilà, et ben les top 10 des terrains de golf les plus atypiques au monde hein. Et en plus il est en partenariat de jeu avec le golf du club de Saint Andrews en Écosse, qui est considéré comme le berceau du golf. Voilà, et ben ils sont en partenariat de jeu. Mis de barrière, hein, ils ont, c'est très coûteux hein, de mettre une barrière, hein, de mettre un grillage autour de sa propriété. Ça coûte une fortune, hein, vous rendez bien compte. Donc ils ont mis les moutons comme ça, puis ils ont mis les mangeoires et l'eau, puis ils se sont dit ils vont pas s'éloigner des mangeoires et de l'eau. Et les dingos sont arrivés et évidemment, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait hein, ils ont vu la nourriture sur pattes, ils ont attaqué les moutons. Donc les éleveurs n'étaient pas contents. Et ils ont dit il faut faire quelque chose, alors ils ont sorti les fusils, ils ont été traquer les dingos. Ben, les dingos, ils sont, comment dire, carnivores, ils mangent la viande, ils attaquent un peu comme les loups. Hein. La dog fence, elle a été commencée dans les années 1880 et elle a été terminée en 1885. Hein. Pour empêcher les dingos de descendre manger les moutons des éleveurs de South Australia principalement. In the high country, yeah. In the drought of 1882, the Madisons brought the cattle through. From Mountain Creek to the staircase spur, we'll follow the tracks where they push the herd. The high country. Well, I've got my four-wheel drive and I'm ready to roam. I wanna go flying up in old dirt roads. Up in the hills where the snow gun stand, you can see forever across this land. In the high country, that's where I wanna be. Walking with you by a mountain stream. High country, that's where I wanna go. Got my bags packed, I'm ready to roll. I've got my four-wheel drive and I'm ready to roll. I wanna go flying up an old dirt road. Up in the hills where the snow gun stand, you can see forever across this lane. Heading for the high country. Heading for the high country. Heading for the high.
trop trop tard, vu que demain, on va se lever pour aller voir le lever de soleil, hein, sur Uluru et Catachuta, qui sont une formation montagneuse très près, hein, les monts Olga, hein, qu'on appelait anciennement les monts Olga, maintenant on n'appelle plus ça Catachuta. Donc on va aller sur une plateforme d'observation demain matin pour voir ce joli lever de soleil sur Uluru et Catachuta. Là, on finit un peu. Castor et Pollux. C'est le cœur spirituel pour les Ananous et pour les Australiens aussi, bien sûr. 63 mètres au-dessus de la mer, au-dessus du niveau de la mer, d'accord ? La tour Eiffel, c'est 324 mètres, donc ça va la tour Eiffel. Le tour, la circonférence de Uluru, c'est 9,4 km. Et normalement, on met 3 heures pour faire le tour. En marchant bien, ils disent 3h30, mais en fait 3h en marchant bien, ça le fait. Il pleut très peu et il y a des températures extrêmes puisqu'on est dans le désert. Je ne vous l'apprends pas, dans le désert c'est 45 degrés et l'hiver moins 50. Wow. Il peut faire ici. Moi je suis venue au mois de juin, c'était la fin de l'hiver, il faisait pas moins 50, mais il faisait moins 10. Ah oui, oui, c'est extrêmement froid. Alors, vous imaginez la pauvre Margot qui arrive de Cairns. Hein, voilà, regardez.